Après le séchage, les semences sont prêtes à être triées. La première étape consiste à passer sur un séparateur. Le choix des grilles nous permet de supprimer le plus gros des déchets. La deuxième étape consiste à passer les graines dans un cylindre alvéolaire, qui nous permet de supprimer les petites graines et donc d'homogénéiser le lot. La troisième étape consiste à passer dans une colonne de ventilation afin d'enlever les graines vides ou trop légères. Ces trois étapes nous permettent d'optimiser au maximum la qualité du lot de semences.